Quel temps. Salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce troisième portrait. Voilà, on va vous présenter Laurent et son bus. On a le droit de dire bus. Ouais. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est un bus. Parce que moi, on me dit non, toi, c'est pas un bus, c'est un car. Mais j'aime bien dire bus. Ouais, c'est mieux. Donc là, voilà, j'ai le droit de dire avec son bus parce que là, pour le coup, il a aménagé un bus. Urbain. Un bus de ville, voilà, un bus urbain en camping-car. Voilà. Normalement, c'est pas trop faisable. C'est tous les échos qu'on a eus. Bah lui, il a réussi à le faire homologuer, donc maintenant c'est un camping-car poids lourd. Il y en a quelques-uns en France qui ont été homologués. Il y en a quelques-uns qui ont réussi, mais c'est vrai que c'est pas courant et en général, les Dreal ne veulent pas. C'est rare. Voilà, c'est très rare. Donc comme quoi, ça dépend bien aussi des Dreal. C'est un gros camping-car poids lourd, 5 places. Et bah voilà, je vais vous laisser avec Laurent, il saura mieux en parler que moi. On a mis quasiment 2 ans, ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans au mois de septembre. Un petit peu les week-ends et le soir. Parce qu'il n'y a que les week-ends, le soir et les congés. Je vous laisse avec Laurent, il nous présente son gros camping-car. Moi c'est Laurent, on est une petite famille de 5 personnes, on a 3 garçons. On est là pour vous présenter notre bus. C'est un GX 317 de Macrono. Ses dimensions extérieures font 12 mètres sur 2,50 mètres sur 2,50 mètres. Alors pourquoi un bus de ville? Tout simplement parce que bon, j'aimais bien l'esthétique extérieure et puis peut-être niveau maniabilité parce que ça braque quasiment sur lui-même. Ça fait un demi-tour quasiment sur lui-même. On est à 11,20 mètres de rayon de braquage pour 12 mètres de long. Après, le bus de ville parce que bon, j'ai pas l'utilité d'avoir un car de voyage. Ça il va juste servir pour les vacances et certains week-ends. Donc pour nous, c'était pas intéressant d'investir dans un car de voyage. Concernant la hauteur habitable, on est à 2,30 m, donc c'est quasiment introuvable sur les autres bus, à part certains bus de ville qui sont comme le mien, mais bon, c'est, comme on vient de le dire, c'est très rare à homologuer, et c'est complexe, c'est plus complexe qu'un car de voyage, parce qu'il y a certaines contraintes vis-à-vis des soutes, on n'a pas de soutes. Donc il faut créer les soutes soit dans les banquettes ou les passages de roues ou en dessous des lits, comme on peut. Vis-à-vis de la motorisation, c'est un MIDR c'est le même moteur qu'un car, mais avec une boîte courte. Donc c'est un peu plus contraignant parce que bon, ça a moins de poussée derrière. Vitesse de pointe, on est bridé à 90, on peut pas aller au-dessus. C'est une boîte de vitesse ZF, 4 rapports en automatique, boîte courte. Ce qui est intéressant, c'est que soit on peut la passer directement en automatique avec les 4 rapports qui passent tout seul, ou alors sélectionner le rapport concerné, par exemple dans les côtes. Si votre bus commence à ralentir, vous pouvez sélectionner la première vitesse, ça va lui redonner un coup de souffle. Après, avec la boîte automatique, c'est plus agréable à conduire, c'est plus souple. Déjà que le bus il est monté sur système d'air, donc vous avez 2 coussins devant, 4 coussins derrière et 4 amortisseurs couplés. Donc c'est plus agréable et plus souple. Et en plus avec la boîte automatique, vous n'avez pas de rapport à changer, le bus gère automatiquement. Alors ça fait quasiment 2 ans que je suis dessus, en travaillant le soir, le week-end et mes congés. Après bon, à certains moments où j'ai pas pu travailler dessus, on attendait le temps de recevoir les pièces. Mais si ça vous dit, on va faire une petite visite intérieure et vous expliquer un peu la disposition des pièces. Je vais vous présenter le moteur parce que c'est assez rare à voir. C'est pas commun sur un car de voyage. Parce que sur les cars de voyage, ils ont les moteurs longitudinales. Et sur ce modèle-là, en fait, sur les bus urbains et interurbains, ils ont les moteurs transversales. Voilà, en fait, c'est exactement le même moteur. C'est un MIDR comme celui de Jérémy ou tout autre Iliad ou Recreo. C'est exactement le même moteur, sauf que là, vous l'avez en travers. Donc on est mieux ici hein. Ouais, ça commence à bouiller. Attends dehors. Donc là on est dans quelle région? Dordogne. Nous sommes en Dordogne. On se le demande. À côté de Périgueux. Voilà, on est à tant de kilomètres de Périgueux. Et ben moi j'ai visité tout à l'heure son bus et c'est vraiment chouette. Hein. On voit que t'as pris du temps en fait. On voit que t'as pris du temps, que t'as passé des week-ends, faire des choses et tout. T'as arrondi toutes tes petites tables, c'est beaucoup du bois que t'as utilisé, t'as utilisé c'est... quoi comme bois? C'est du sapin rustique, je crois. C'est du sapin, donc t'as fait tous ces meubles-là. Hein. Je sais même plus le nom. Ouais, c'est du pain, ouais, c'est du pain rustique. C'est voilà. Du pain, hein, c'est ça. Donc il a tout fait en pain, et voilà, il a tout créé ses petits meubles avec ses petits boutons, tout ça. Voilà. Oh là, excuse. Oh, c'est rien, j'ai pas voulu mettre de compo. Et il a fait un truc qui est assez sympa, je vais vous montrer ça plus précisément. C'est quoi? C'est des morceaux de journaux? Ouais, c'est des journaux que les garçons se sont mis à découper et ça a été collé. Et vernis, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez original.
Et voilà, on va découvrir l'intérieur et il y a pas mal de petites choses qui sont assez sympas et ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors ici, nous sommes dans la partie cuisine avec une plaque de cuisson 4 feux comme une plaque standard de maison. Vous avez l'évier de l'autre côté avec un robinet pareil, hein, standard maison, qui est couplé à une pompe à eau 12 volts. Parce que bon, moi j'avais pas l'intention de mettre un surpresseur comme c'est juste de temps en temps. Je vois pas l'intérêt de mettre du gros matériel dedans. Vous avez les meubles qui ont été conçus autour des passages de roues, parce qu'en dessous j'ai les passages de roues, comme les passages de roues sont vachement hauts à l'intérieur. Donc j'ai tout caché, je me suis arrangé pour tout cacher les passages de roues à l'intérieur des meubles. Donc après bon, vous avez les tiroirs standard maison, faits sur mesure, parce que bon là j'étais obligé. Alors concernant les meubles hauts, pourquoi sur mesure? Tout simplement parce que je voulais faire le bus de A à Z créé par mes mains. Et l'envie de le faire moi-même, donc on est parti sur du sur-mesure, parce que déjà premièrement, les meubles en grande surface, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, et au niveau de la qualité, pour moi, est nettement meilleur quand on les fait soi-même. Et de toute façon, j'aurais pas pu créer ce que j'ai créé en achetant des meubles standards dans les grandes surfaces. Concernant le coin repas, on est parti sur 4 coffres indépendants, ça fait 4 banquettes séparées, donc nous en fait on a notre coin repas dépendant des enfants, ils ont leur coin, nous on a notre coin. Les deux tables ont été créées sur mesure parce que ça doit être des parties démontables. Quand on roule, on ne peut pas les laisser installer, donc on est obligé de les démonter. Concernant les coffres, c'est des coffres de rangement. Il y a un coffre qui est réservé à un réservoir d'eau, de l'évier et de la douche, qui est couplé à un réservoir qui est en dessous du frigo. Après tous les autres coffres, c'est des coffres de rangement en fait. J'ai un coffre outillage, coffre vaisselle et puis un coffre qui sert quasiment à rien. Ça sert juste, c'est un coffre additionnel. Alors ici on est dans l'entrée, c'est où on va rentrer et où on va pouvoir se déchausser. Il y a les porte-manteaux derrière. En face, il y a eu un changement parce qu'on avait un frigo maison, et comme il y a eu du changement parce que j'ai l'intention de rendre le bus autonome, parce que par la suite j'ai l'intention de le vendre pour changer de véhicule pour un autre projet. Donc en fait, il y a un réservoir en dessous qui est cumulé à celui de l'évier que j'avais expliqué tout à l'heure. Au-dessus, c'est un placard qui va servir à certainement la vaisselle ou alors les chaussures ou quoi que ce soit, avec un petit frigo Trimix. Après vous avez le couloir qui accède à la salle de bain, le WC et les couchettes et notre chambre au fond. Dans le placard là, en fait, là je suis en train de tout revoir justement pour le rendre autonome. Donc là ça va être toute la partie technique. Vous allez avoir les convertisseurs et tout ça, parce que comme j'ai pas de soute, je suis obligé de dissimuler un peu les appareils à droite à gauche. J'ai récupéré l'arrêt demandé qu'on a dans les bus urbains quand on demande au chauffeur pour arrêter, et dès qu'on va actionner l'interrupteur des toilettes, en fait ça va être marqué arrêt demandé.
Banquette, hein. Ah, on est bien assis. Ouais, c'est cool, t'as même fait un petit pont. Ouais, je suis parti droit et je suis parti pour la route. Ouais. Avec un petit renfort. Ouais, avec les petits appuis-têtes. Les gamins, quand ils s'assoient. Ouais. Là, c'est pour l'accélération, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est pas mal. Il est vraiment chouette ton petit bus. On voit que t'as pris du temps à faire, que t'as fait ça avec une défonceuse. Défonceuse. On voit que t'as essayé de faire des petits champs avec une défonceuse. Pareil. Tout ça. Franchement, c'est sympa, quoi. C'est cool. Et donc, tu s'en sers que pour les vacances. Vacances et bientôt les week-ends. Ouais. T'as déjà fait quoi là, en route avec Pas grand chose. Pas grand chose. Ben non, parce qu'il y a toujours quelque chose de prévu. Donc, ouais, c'est pas évident. La vie de famille avant tout. Et après, bon, on n'a pas l'intention de vivre nomade. Donc, ça va vraiment servir que pour les vacances et, ça va vraiment servir que pour les week-ends. C'est pas, on pourra croire que c'est pour vivre après dedans. Et aller voir les amis. C'est vraiment un projet que j'avais dans la tête depuis pas mal d'années. Et voilà, quoi, je me le suis offert il y a 2 ans. Bah, franchement, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Donc en consommation, ça donne quoi à peu près? Faut compter 21 à 23 litres au 100. Pas plus? Non, 25 litres dans les côtes ou quoi que ce soit. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il pèse combien là? Tu sais combien? Là, on est à 13 tonnes de 100. Et PTAC, on est à 19 900. Ouais, voilà, comme un poids lourd. Comme un poids lourd. Okay. Nous, on est à 15 tonnes, tu vois déjà la différence. Ben, nous, on a déjà un tri en moins. Et ouais. Parce que nous on est. T'as tout le tri, t'as pas le châssis tri. Voilà, nous on a le plancher et après on a le tri directement à partie habitacle. Ouais, tandis ouais. que toi t'as le tri, t'as ton plancher, t'as ton tri de soute et après t'as seulement la partie habitable. Plancher, nous, en fait. Ah ouais, voilà. Donc ça, mine de rien, ça pèse. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a vraiment une bonne largeur. Parce que nous, dans les cartes de voyage, on vit dans la hauteur du bus et c'est là où c'est vraiment le plus galbé. Là, il est un petit peu galbé. Ouais, les cartes de voyage, ils sont galbés. Ils sont plus galbés parce qu'ils sont plus hauts. Les cartes de voyage, voilà, parce qu'ils sont plus hauts. Et le gros avantage, donc, bah, c'est ça, c'est la hauteur intérieure qui est 2m30 à peu près. Hein, ouais, on doit être à 2,30, 2,35. C'est, ouais. C'est assez impressionnant la hauteur, on se croirait vraiment limite dans un camion. Et voilà, après les petits inconvénients, c'est que du coup, t'as pas de soute. J'ai pas de soute, non. T'as des passages de roues qui sont là et qu'il faut cacher. Qu'il faut cacher, donc, ouais. Il faut user d'ingéniosité pour pouvoir intégrer tes meubles par-dessus ouais. Et pouvoir faire des rangements. Et c'est à toi de te créer tes propres soutes, comme t'expliquais, voilà, ouais. Pour te faire tes rangements à l'intérieur. Il a été obligé de faire un deuxième plancher parce qu'il avait un couloir qui montait tout en pente. Mais là, ça fait une belle soute. Hein. Dans le couloir, on peut faire une belle soute. Hein. Ah oui, dans le couloir. Là, si on veut, on peut stocker tout le. T'as pas fait de rangement du coup dans le couloir? Non, non, je l'ai laissé comme ça parce que bon, j'avais assez de rangement, mais il est démontable. Là, t'as prévu quoi du coup en autonomie? Est-ce qu'en fait, il voulait vraiment s'en servir pour aller de camping en camping? Et là, il a un autre projet. J'ai l'impression que quand on a fini un quart, on veut déjà partir sur un autre projet. C'est pas le premier portrait. Non, qui mais nous dit ça. En fait, c'est même pas l'histoire d'à peine fini, c'est même bien avant d'avoir fini. Oh merde, tu me fais peur, mais. Je vais pas y arriver, c'est impossible. Vous voyez, je ne suis pas le seul, vous avez la confirmation, ça fait déjà le deuxième. Ouais, c'est. Il y a déjà un projet, et que même quand il faisait son projet, il avait déjà envie d'un autre projet. J'avais déjà là dans la tête. Aller comprendre quelque chose, voilà, on n'arrive pas à vivre sans des nouveaux projets derrière. Ouais, et puis je pense que c'est le fait de vouloir améliorer. Parce que quand on fait, on se dit, bah tiens, j'aurais pu faire comme ça, ouais. Une fois que c'était fini, donc on a dit, bah ça n'est pas grave, ça sera fait pour le prochain. Et ouais, je crois qu'en fait, ça démarre de là. Il faut le 3-4e bus pour le bon, après le meilleur. Et donc du coup tu vas le rendre autonome. Alors ce bus là sera sûrement à vendre l'année prochaine, en septembre. Septembre, ouais. On va profiter quand même des congés avec. On va en profiter un petit peu et comme il y a un nouveau projet, bah celui-là faudra mettre en vente. Hein. Forcément, il ne faut pas garder des gros véhicules comme ça dans le jardin. Ouais. Ça prend un peu de place. Donc il va le rendre un petit peu autonome. Tu vas lui mettre combien en autonomie en eau grise et en solaire pour que les gens puissent se rendre compte? Là on est parti, actuellement là j'ai passé commande pour 200 litres d'eau propre et 200 litres d'eau sale, mais bon je pense qu'on va encore
augmenter la capacité, ouais. On va certainement passer à 400 ou 600 litres d'eau propre. Ouais, 400 litres d'eau propre à peu près. Ouais, parce que bon, après là, maintenant, je vise plus pour moi, je vise pour la prochaine famille qui va s'en servir. Ah ouais, maintenant, tu penses déjà à ça. Ouais, c'est pour ça que je l'améliore là, parce que bon, en plus, là, on rentre en hiver, donc il va pas bouger beaucoup. Donc j'ai dit, autant profiter de réinvestir dedans et le rendre autonome pour la prochaine famille. Au moins, ça me permettra de l'été prochain de pouvoir tester l'installation que j'aurais mis en œuvre pour la prochaine famille. Solaire, tu prévois combien de boîtes de panneaux? Je sais pas du tout, c'est MyShop Solaire que je rentre en contact avec eux. Encore un partenaire. Et c'est eux qui vont, ils sont courants que je dois les appeler, ouais. Et c'est eux qui vont juger de ton installation. Voilà, je vais partir sur une famille, comme là c'est un bus 5 personnes, je vais partir sur une famille de 5 personnes. Bah oui, MyShop Solaire pourra te dire combien tu. Voilà, je laisserai le calcul et. 1000, 1200 watts. Ouais, je me suis tablé sur 1000 watts. Une perte de batterie. Ouais, je me suis tablé sur. Ouais, de toute façon, il y a une autonomie. Pour être autonome, il faut au moins 1000 watts. Ouais, faut partir sur. Faut se tabler sur 1000 watts. Si les gens qui achètent derrière et comptent vivre dedans à l'année, ouais, déjà 1000 watts, je pense que ça sera pas mal. Et ben les gens vont vraiment être bien avec ce bus en plus. Ouais, il y aura certainement quelques améliorations. Bah après, ça sera leur goût, mais. On a déjà vu le gros là. Je pense que pour partir, ouais, c'est une bonne base. Et alors, du coup, ce fameux projet derrière, c'est quoi, Laurent? Dis-nous tout. Alors, c'était, j'étais parti sur un TRM 10 000, mais un peu trop gros. Et là, je me suis résilié au Main 4. Ah, tu veux un 4? Ouais, un peu plus petit, un peu moins gourmand. Un 6 roues, hein, non, 4 roues motrices. Ouais. D'accord, donc moi je connais bien ce camion-là. Et Ouais, c'est. Ouais, c'est autre chose. C'est hein. Un autre domaine. Une consommation, c'est fini les 20 litres. Tu ne laisseras pas en dessous les. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est juste pour les week-ends et les vacances. Après, bon, comme j'ai dit à Sylvie, si c'est pour se faire plaisir. Si c'est pour s'en servir que pendant les vacances et le week-end, ben autant qu'on se fasse plaisir et qu'on puisse aller dans les bois et dans les montagnes. Tu veux sortir par des. Voilà, je suis sentier battu, ouais. Bah autant s'amuser. C'est le but du jeu. Parce que là après j'ai peur de m'enduyer sur un bus en étant tout le temps sur les routes. J'ai peur de. Ouais, avec ton boulot, tu fais déjà beaucoup les routes et du coup t'as pas. Voilà, ouais, j'aurais bien sortir. Ouais. Et ben ça va être un chouette projet, ça. Ça va être un chouette projet et à de le terminer justement pour moi le tester dans les bois et. Et là, j'ai tout de suite visé les montagnes. J'ai dit, il faut que je teste dans les montagnes. C'est pas évident de trouver les Man 4. Hein. J'ai quelques pistes. Et oui, mais il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, ouais. Et là, ils se mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de familles nomades qui commencent à se sortir sur soi et qui partent au Maroc, qui font le désert avec ça. Ouais, mais attends, Man 4, c'est costaud, mais si t'as un pépin avec. J'ai des pistes. T'as des pistes? J'ai déjà. Tant mieux, c'est principal. Pour les réparer. Depuis le temps que j'ai dans la tête du TRM 10 000. On sent bien que t'as travaillé. J'ai déjà travaillé. Ouais. Bah, déjà, le bus, avant de l'acheter, j'avais déjà potassé un an avant. Ouais. Je savais déjà l'aménagement que j'allais faire. Et dès qu'il est rentré, on l'a rentré le dimanche midi, le dimanche après-midi, on démontait, on savait déjà ce qu'on allait faire. La question que tout le monde va nous poser, est-ce qu'on peut le suivre, ce Laurent? Oui, vous allez sur la chaîne sur la chaîne YouTube, l'Odyssée Family, vous allez voir l'avancement des travaux au fur et à mesure. Ah oui, t'as tout montré sur ta chaîne, t'as tout montré, c'est vrai, ouais. L'avancement des travaux. Par contre, la chaîne n'aurait pas dû exister, c'est grâce à des youtubeurs comme Jérémy qui m'ont dit fais-le pour toi si c'est pas pour les autres, et au final ça m'a bien plu. Ça te plaît du coup? Ouais, ça me plaît du tout, j'ai même envie le partage et surtout les commentaires en retour. Là j'en ai encore eu un ce matin par une personne, enfin un abonné qui est de chaîne, c'est appréciable. Donc là, tu fais beaucoup de vidéos avant travaux, en fait. Là, c'est. Pas mal de petits montages où t'as montré les débuts, tout ça, la peinture. Déjà les premières vidéos. Bah, je suis désolé parce que c'était des vidéos photos, parce que bon, c'était pas prévu c'était pas prévu d'avoir une chaîne YouTube, donc j'ai pas cherché à filmer. Les dernières sont filmées parce que bon, maintenant on m'a demandé, donc j'ai filmé, je filme. Donc je commence à m'investir un peu dans le matériel, dans la chaîne matérielle. Et c'est vrai que je prends vraiment de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, c'est agréable. Et puis bon, c'est les commentaires en retour. Et là, le live s'est très bien passé. Du coup, on a décidé d'en refaire un tous les vendredis à 21h. Ouais. Parce que c'était vraiment agréable. Niveau de discussion, c'est varié. C'est chouette. C'est vraiment bien. Chantier peinture, sacré chantier. Tu lui as refait une peinture entière. On lui a fait une repeinture entière version vintage. Ouais. Parce que je voulais un peu qu'il ressemble au bus des années 50. Ah, c'est
c'est pour ça les traits derrière. En fait, je suis fan des bus américains, tu sais, vraiment les vieux bus des années 50, là, et tout chromé, carré, là. Ah oui, il est tout rond, pas ouais, carré, chromé, tout là. Rond, là. Ouais, j'adore cela. Eh ben, merci bien à toi d'avoir pris du temps pour nous présenter ton camping-car. Ben, merci à toi, et puis. Merci. Et si vous voulez suivre Laurent, vous allez sur YouTube, Instagram aussi. Instagram, ouais. Et vous tapez l'Odyssée. Family, ça s'écrit comment? LODY'C Family. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez le suivre. Et bah voilà, vous pourrez voir la fin de ses travaux avec son installation solaire pour qu'il soit autonome, son eau qu'il va rajouter. Il va bientôt le préparer, il va profiter un petit peu des vacances, donc je pense qu'il vous partagera tout ça. Et ensuite, bah, il sera en vente et il y aura un autre gros projet derrière. Et ça sera à suivre aussi. À mon avis, ça sera dans la foulée. Si vous aimez bien les autoconstructions, là vous allez être servi parce que vu comment tu as fait ça bien. Voilà, merci bien et rendez-vous demain pour un nouveau projet, le 4e, et après ça sera la fin des projets. Voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Bye bye, nous à bientôt. Chocolat chaud. Ouais. Fais gaffe au tronc. Salut à tous et bienvenue. Bah attends, je suis en train de poker. Putain, tu fais chier toi, merde. Vas-y. Fallait me le dire que tu tournais. Ah si, je t'ai dit que c'est bon. Donc c'est un camping-car, je te touche le cul, excuse-moi. C'est un camping-car. Arrête. Ouais, on va y arriver, c'est toi qui cherche. Parce que bah, c'est son engin. T'as mis combien de temps à le faire? Ton engin, enfin. L'engin, le. Ouais. Le bus, quoi. Ouais. C'est ton engin, tu vois. Et je fais comment, moi? Ah ouais? Bon, bah, moi, c'est Laurent. Je suis marié à Sylvie depuis quelques temps. On a 3 enfants, 3 garçons. On sait pas si on va pas en refaire un. Bah, moi, c'est Laurent. Je suis en famille avec mon époux. Ça va pas! C'est la merde! Ah! Nul! Un peu plus correctement. Le poursuivre, ça se dit. Tu casses carrément la première. Comme ça, c'est bien.